Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale édition Yves Kenao pour la présentation. Vous êtes bien sûr sur Tempo Afrique TV. Aujourd'hui, nous allons parler des élections en Côte d'Ivoire. C'est demain dimanche 25 octobre 2015 que les Ivoiriens sont appelés à aller aux urnes et choisir le président de la République pour un mandat de 5 ans. D'ores et déjà, il y a eu des désistements, il y a eu des abandons, il y a eu des appels au boycott de ces élections présidentielles de demain. Au même moment, le président sortant, Alassane Ouattara, annonce une nouvelle constitution dès son élection probable le dimanche prochain. Mais le plus grand absent serait donc l'abstention qui serait de taux très élevé lors de ces élections présidentielles, car déjà des candidats comme Mamadou Koulibaly, comme Issa Amara, comme Charles Konan ont déjà appelé leurs partisans à boycotter ces élections de demain. Seul le candidat au pouvoir, Alassane Ouattara, et le président de la Commission électorale indépendante ont appelé les Ivoiriens à aller voter massivement demain sans même les cartes de vote, les cartes d'électeurs. Dans ces conditions, la question qui se pose est de savoir quel serait le niveau de taux d'abstention. Selon les informations que nous avons en notre possession, ce taux d'abstention serait très élevé. Et ça, selon ces mêmes informations, il y a seulement 30% des électeurs inscrits pour aller voter qui ont pu retirer leur carte électorale. Dans ces conditions, mesdames, messieurs, je me pose la question de savoir quelle serait la valeur de ces élections, quel serait le crédit qu'on donnerait à ces élections dans la mesure où sur 100% de candidats, d'électeurs inscrits, seuls 30% ont pu retirer leur carte électorale. Chers Africains, lorsqu'il s'agit des élections, il faut qu'on ait des élections transparentes, qu'on ait des élections libres, qu'on ait des élections organisées dans des conditions où tout le monde peut pouvoir participer. Et la participation, la grande participation du peuple ferait du candidat élu un candidat du peuple. Si seulement 30% vous élisent, ça voudrait dire que les 70% ne sont pas avec vous. Comment allez-vous diriger un pays dans lequel 70% n'ont même pas réussi, n'ont même pas voté pour vous, n'ont même pas voté? Alors, chers Ivoiriens, je sais que le peuple ivoirien doit aller aux élections. Au même moment, les responsables de ce pays doivent comprendre que plus le taux d'élection est élevé, plus le candidat choisi a le peuple derrière lui. Je ne pense pas que 30% ou 25% est un pourcentage qui pourra donner la popularité à ce président. Mais, comme les élections sont les élections, et comme même 1% est un pourcentage, je demande au peuple ivoirien, d'aller aux élections, d'aller voter, mais que leur vote soit des votes sincères et que ceux qui pensent que leur voix ne compte pas, ils ont aussi leur droit de s'abstenir. Mais une fois encore, s'il faut qu'il y ait des élections en Afrique, il faut que ces élections soit des élections où tout le monde va participer, soit des élections avec un taux de participation très élevé pour donner aux candidats élus le poids, le support du peuple. Il ne s'agit pas d'organiser les élections juste pour les organiser, mais il faut organiser les élections pour que le peuple y participe, pour que le peuple exprime son droit, sa volonté de choisir le candidat qu'il veut.
que ce taux d'abstention des élections en Côte d'Ivoire n'affecte pas les autres pays qui vont suivre. Je veux parler du Burkina Faso, je veux parler du Congo-Brazzaville, je veux parler des autres pays où les électeurs seront appelés à aller aux urnes. Que chaque gouvernement dans ces pays concernés fasse un effort pour que les organisateurs, pour que l'organisation des élections se fasse dans des conditions très paisibles, dans des conditions où toutes les parties aux élections seront d'accord sur ces conditions et que le taux de mobilisation, le taux de participation soit un taux élevé pour donner la légitimité au président élu. Alors, peuple africain, soyez nombreux à aller voter pour choisir le candidat de votre choix. Nous souhaitons beaucoup de chance au peuple ivoirien. Nous souhaitons beaucoup de chance au peuple africain. Et à vous tous qui nous suivez, nous vous souhaitons bonne journée, bon après-midi. Et merci d'avoir choisi Tempo Afrique TV. C'était là notre édition spéciale. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. En attendant, nous avons une surprise sur ce plateau. Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Téléphone 612 729 01 76. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est votre plaisir. Chers téléspectateurs, votre émission Grand Débat passe sur Tempo Afrique. Restez toujours connectés car nous vous apportons les réalités de l'Afrique. Votre animateur principal est Serge Niawa qui est toujours là pour être connecté avec vous. Mesdames, Messieurs, bonjour et encore une fois, bienvenue sur Tempo Afrique TV. Aujourd'hui, on a une invitée spéciale dans nos murs. Et ensemble, on va passer avec elle quelques minutes pour qu'elle nous dise son expérience ici aux États-Unis en tant que membre de la diaspora. Alors, mademoiselle Edith, bonjour. Bonjour. Et soyez la bienvenue sur ce plateau de Tempo Afrique TV. Merci beaucoup. Vous nous avez fait l'honneur. Alors rapidement, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Ok, oui. Mon nom s'appelle Edith Kouto. Je suis ici, ça fait 10 ans. Voilà, vous êtes ici, ça fait 10 ans. Et quelles sont déjà les expériences que vous avez connues dans ce pays? Bon, j'aurais bien dû dire que j'ai connu, bon, tout à fait l'expérience bilingue. Et l'expérience personnelle, sociale. Voilà, qu'est-ce que, si je comprends bien, vous voulez dire que vous avez fait, vous êtes bilingue. Oui. Vous avez fait l'anglais, le français. Mm-hmm. Vous avez fait des études ici
aux États-Unis. Vous avez commencé par le high school ou bien vous avez commencé par le elementary school? Oui, j'ai commencé par le high school, qui est le collège ou bien le lycée. Ouais, quel high school vous avez fait ici? J'ai fait le South High Minneapolis. South High Minneapolis. Oui. Et après, vous avez fait quel collège? J'ai fait le Hamline University. Hamline University. Et quel était votre, vous appelez ça, major? Qu'est-ce que vous avez fait là? Là, j'ai fait Communication Studies. Communication. Aujourd'hui, vous voilà sur le plateau de Tempo Afrique TV dans la même lignée de communication. Oui. Voilà. Quelles sont les difficultés? Si je comprends, vous faisiez les études, vous faisiez seulement les études ou bien vous faisiez les études et puis de l'autre côté, vous faites aussi du boulot comme beaucoup d'entre nous le faisons ici. Ok. Bien, j'ai fait mon high school. Toutes mes 4 ans, je l'ai bien sacrifié pour avoir mon diplôme de high school. Je n'ai pas travaillé lorsque j'ai fait le high school. Mais lorsque j'ai débuté l'université ici, il faudra une partie de mes financial aid qui m'avait offert de travailler sur le campus. Ça, ce n'est pas avec une compagnie, mais c'est avec le campus elle-même. Elle vous donne, on appelle ça study work. Tu travailles avec peut-être les enfants à l'école, tu les aides avec leurs devoirs de maison, n'importe quelle question ils ont sur un devoir à l'école, tu les aides avec ça. Et c'est le genre de tuteur qu'on appelle ici? Oui, ou bien, ok. Tuteur. Voilà, c'est ce genre de tuteur. Oui. Vous étiez en quelque sorte un mentor qui aidait, qui apportait ses expériences à ceux-là qui en avaient besoin. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, en dehors de cela, tu n'as pas fait un travail spécifique en dehors du campus? Non. Ok. Donc, tu as eu de l'aide, de financial aid, ou bien tu as pris de student loan, ou bien... Oui, comment tu as fait? L'université que tu as choisie n'est pas une petite université. Je sais cela. Donc, tu as eu des aides, tu as eu des financial loans, ou bien comment ça s'est passé? Oui, j'ai reçu un boost scolaire de 4 ans avec l'université de Hamline. Et aussi, les financial aid ont participé à une partie de mes études. Et aussi, j'ai pris des private loans. Private loan pour m'aider à terminer avec les parties de mes études où j'en ai besoin. Voilà, vous savez, ce n'est pas quand même du tout facile. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées dans ce champ études, travail, nouvelle adaptation, tout cela avec, je sais que vous avez de petites sœurs, de petits frères, tout cela combiné, quelles sont les difficultés? C'était facile? Je sais que... C'était pas facile. Ça a été un peu compliqué, mais moi-même, j'avais eu des aides venant de mes parents et venant aussi de mes professeurs. Parce que j'avais eu, en débutant, l'université, j'étais la seule ici qui est à l'université entre mon petit frère et ma petite soeur. Et j'étais partout. Des fois, je ne comprenais pas ce que moi-même je suis en train de faire. Mais en un point, je me suis trouvée dans l'université. C'est comme le high school numéro 2. Si je dis le high school numéro 2, ce qui veut dire que là-bas, c'est de me concentrer et de me focaliser sur ce que je suis en train de faire sur l'université. Ce n'est pas tout à fait facile parce que tu as beaucoup à apprendre, beaucoup à donner et beaucoup à faire. Voilà. Revenons un tout petit peu. Quand j'ai parcouru, quand j'ai fait mes recherches sur vous, il s'est fait que vous avez entamé un certain temps ce métier de modèle. Je ne sais pas si c'est vrai. Enfin, selon les recherches que j'ai faites, je ne sais pas. C'est l'occasion ici de confirmer ou d'infirmer ce que j'ai appris des gens. Oui, bien sûr. J'ai fait la modèle. Ça, c'était entre la dernière année de l'université, lorsque je suis en train de terminer pour devenir quelque chose après l'étude. Donc, j'avais décidé de faire la modèle, voir... pour voir si rester devant la caméra ou bien être socialisé avec les autres,
serait quelque chose de facile que je peux m'entamer avec. Donc oui, j'ai fait la modèle et ça s'est bien passé. Voilà, c'était ma question. Où en est-on avec ce type d'activité de modeling? Sur le plan modeling, oui, je fais toujours la modèle et ça marche très bien. Je pense que dans nos prochaines éditions, les prochaines fois, on aura purement et simplement une émission consacrée à cet aspect de votre vie, le modeling. Parce que les gens m'ont dit que bon, ils m'ont montré certaines images que malheureusement, sans votre permission, je ne peux pas les présenter à nos téléspectateurs. La prochaine fois, on reviendra sur ça. Merci. Revenons un tout petit peu sur votre activité scolaire, étudiantine. Vous avez dit que ce n'était pas facile et que quand on entame les études universitaires, c'est un autre speed, c'est une autre vitesse, c'est high speed vitesse et qu'il faut bosser dur. Quels sont vos conseils les conseils que vous voulez donner aux autres jeunes de la diaspora qui nous écoutent, qui nous suivent à l'heure actuelle? Quels sont les suggestions ou les conseils, si je peux ainsi les appeler? Bien, je dirais, l'étude, c'est la clé à toute porte. Sans l'éducation, on n'a rien. Donc, à mes jeunes frères et à mes grandes sœurs et à mes grands frères, je leur dirais de faire le tout possible pour avoir cette éducation. Ce n'est pas facile, mais avec une conscience en nous-mêmes, on peut y arriver. Parce que l'éducation, c'est une très belle et bonne chose qui nous aide et qui nous aidera plus dans le futur. Voilà, bon, pour ceux qui disent qu'on n'a pas nécessairement besoin de diplôme pour être riche, qu'on n'a pas, surtout de nos jours, à ceux-là, à ces détracteurs qui disent cela, qu'est-ce que vous avez à leur dire, ceux qui disent que bon, il faut savoir que c'est l'argent qui dirige ce monde, une fois que vous avez l'argent, vous avez tout, à ceux-là, qu'est-ce que vous dites? Je dirais bien, l'argent dirige tout, oui, mais si tu as l'argent et tu n'as pas cette mentalité de gérer, tu ne peux pas l'utiliser sur un bon plan. Donc, de toute chose, ou bien en parlant de tout, je dirais, il y a l'argent et l'étude. Les deux vont de pair. Voilà. Surtout que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est l'excellence qu'on veut. On ne veut pas les demi, on ne veut pas les moitiés, on ne veut pas les derniers, on veut l'excellence. Seuls les meilleurs seront retenus, en un mot. Ouais. Donc, l'éducation est vraiment importante. Ouais. Ce que tu es en train de dire. Voilà. Maintenant, revenons sur le plan social. Vous n'êtes pas encore marié, n'est-ce pas? Non. Vous n'avez pas d'enfant, n'est-ce pas? Non. Voilà. J'allais vous demander si vous avez des conseils, ou du moins comment la femme africaine venue aux États-Unis, comment elle arrive à s'adapter en combinant le boulot, les travaux domestiques, les enfants, tout cela, comment la femme africaine arrive à le faire, ou du moins, comment vous, votre maman, arrive à le faire? Je dirais, bon, ma maman, elle a vu toutes nos heures, et avant d'y aller au boulot, elle sache bien que j'ai un petit frère, on est tous venus et il avait 5 ans. Donc, maman, à chaque matin, elle fait le tout possible de lui donner tout ce qu'il a besoin. Il quitte pour l'école avant que maman ne quitte au boulot. Et maman arrive à la maison avant qu'il n'arrive à la maison. Donc, maman a vu toutes nos heures, nos schedules, avant qu'elle prenne les heures qu'elle peut adapter avec nos heures et celui de notre père, bien sûr. Ok. Donc, elle est arrivée à ajuster tout cela. Oui. Et je pense que c'est quelque chose que l'ensemble des femmes africaines vivant aux États-Unis ici peuvent faire. Et jusque-là, ça a marché, n'est-ce pas? Oui, ça a toujours marché. Ça a toujours marché. Oui. Et c'est une dame que je connais bien, c'est une dame bien exemplaire et une dame
qui a su quand même vous donner ce dont vous avez besoin et faire de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Oui, bien sûr, sans votre propre volonté, vous ne serez pas ce que vous êtes. Non. Voilà. Encore une fois, nous vous remercions pour avoir accepté cette invitation de dernière minute. Et ça nous a fait beaucoup plaisir. Et surtout, ne vous découragez pas, revenez sur ce plateau. On va encore discuter des choses sérieuses. Nous sommes là. On peut faire la promotion de votre section modeling. Et on va voir ce que ça va donner. Tempo Africain là pour soutenir les jeunes talents de la diaspora africaine. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, avec votre permission, je remercie Mademoiselle Edith d'avoir accepté notre invitation. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Moi, Yves Kenao, je vais vous retrouver dans quelques instants dans d'autres émissions, dans d'autres programmes de Tempo Afrique TV. On vous souhaite bonne réception. Merci beaucoup et à la prochaine. De nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Téléphone 612 729 01 76. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est votre plaisir.